suis un merveilleux. Je suis un merveilleux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer?
que c'est vrai? Il est mort. J'ai dit d'acclamer Jésus. Vous savez les acclamations? Vous n'êtes pas d'applaudir, j'ai dit d'acclamer Jésus. Il n'y a jamais, il n'y en a pas. Sois un instant, allez à gauche, reviens. Il dit bonjour à ton voisin. Non, il était beau. Pas, ah, il était beau. Il est content parce qu'il est dans la présence de Dieu. Alors, voilà, on va venir pour le là. Amen. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'église. David, on peut te calmer, on va quand même la voir ici, amen. Parce que dans cette présence, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le salut, il y a la restauration, une sorte de bénédiction. Que Dieu bénisse ce matin. C'est un culte qu'on appelle l'adoration. Nous avons un seul unique Dieu. À la personne de Jésus. C'est celui-là qui sont venus adorer ce matin. Amen. Amen. Il a dit aux femmes samaritaines, c'est des nids sur cette montagne. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, c'est maintenant où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu explique. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas une question de représenter Dieu, non. Mais dans notre esprit, nous sommes convaincus qu'il est présent. C'est cela que malheur soit celui qui se prosterne devant une statuette. Il se dit si cette montagne, c'est ce qu'on faisait avant. Mais après les montagnes, les statues, on ne peut plus représenter Dieu. C'est pas possible. C'est une abomination. Il est. Dis oui. Et c'est choqué que je vois les gens fabriquer une statue. Il est en train de se faire. Vous voyez, vous allez adorer. Toi, tu es le commis à ce même chose. Tu achètes une statue, tu dis c'est Marie dans la rue. Et tu la mets chez toi à la maison. Et tu te procèdes. C'est en esprit qu'on adore Dieu. Sinon, tu deviens commis. Tu prends la statue quelque part. Et tu viens chez toi. Et tu dis c'est Marie. C'est drôle. Il est jaloux. Quelque chose qu'on fabrique, Dieu peut le fabriquer. La roi, non. Dieu, on peut le fabriquer. La roi, non. Ce que tu vois, la statuette là, c'est un peu plus de l'eau. Ils ont mis ça, Simon dedans. Non, jamais, à moi. Ne vous foutez pas de Dieu. La roi, non, pour. Allons-y, la roi. Dieu est trop sérieux pour ça. La roi, le malin, la roi, mais c'est pas. C'est même chose que combien? Il y a une grotte de Marie chez moi à la maison. Marie les hommes. Nous sommes désormais le temple du Seigneur. C'est dans nous. Il n'a pas besoin d'être représenté. Il est en toi. Arrêtez de représenter. C'est une abomination. C'est ce que nos parents faisaient aux parents. Jésus dit, c'est ni si cette mort. Mais Dieu s'adore en esprit et en vérité. Suivez les principes bibliques. Ne rentrez pas dans le système des humains. Suivez le système biblique. Dieu est en doux en esprit. Il est déjà en doux. Nous sommes le temps. C'est en doux que l'esprit. Ceux qui ont accepté Jésus, c'est en doux que l'esprit. Arrêtez de représenter Dieu. On n'a pas allé la reposer. On t'achète une statue dehors. Dans le premier, il y a le fait d'aller fabriquer. Pourquoi que c'est le plus Dieu? Moi, nous l'avons. Un démon peut venir s'incarner. Si Dieu ne peut pas le représenter, Dieu, c'est en esprit. Arrêtez votre histoire. C'est en esprit. Voilà. Si tu ne peux pas adorer Dieu en esprit, comme tu as un problème. Il va encore bien, oui, demande à la statue de Marie de se déplacer. Aïe, là, je suis pas dans le choquer. Et, religion, mais je vous dis la vérité.
Voilà. Il y a des abominations qui sont pratiquées chez nous. Oui, qui se réclinent de nos coups, de nos maisons. Il y a des représentations qui choquent Dieu lui-même. Toi, tu peux aller prendre Dieu et l'amener. Il n'y a pas de soulever. Dis à quelqu'un respectant Dieu. Amen. Amen. Sorcier, il y a ça, il paye vous, mange. Google, maintenant, c'est le problème. Que Dieu nous aide. Il faut qu'on nous enseigne la parole. Dieu est un esprit qu'on adore. Amen. Amen. Moi je crois qu'il est là. Amen. Je sais qu'il est dans ma vie. Je n'ai pas besoin. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de représenter Jésus. Les films qu'on regarde. C'est pas Jésus. C'est un acteur. À un moment où on problème, qui veut se mettre dans la peau de Jésus. On à Jésus. Et puis on prend, on dit non, c'est Jésus. C'est un film qui a été tourné. Et là, il nous croit, nous. Oh, l'acteur, il peut être païen. On y met quoi, c'est un acteur de cinéma. C'est un comédien, acteur. Il a une autre vie qu'il met. Il peut venir jouer le rôle de Jésus dans le film. On y met Jésus, il est drogué. Vous prenez le film, vous mettez la photo de l'acteur. C'est pour ça que moi, la photo de Jésus, tu l'as pas vue? Oui. Moi, j'ai vu plus de 20 fois Jésus. Quand je suis en train de regarder, il est plus joli que ce qu'on regarde comme photo. Jésus est trop transparent. Voilà. Okay, amen. 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 Donc arrêtez de faire tout ça. Dieu nous aide. La Ukraine. L'autre me dit, voici, j'ai mis la photo de Jésus. J'ai fait pitié. Les ennemis de la commune, même chose. Arrêtez ces histoires. Ça va plus t'aider. Il est en toi. Il est choqué. Non. Il est en nous. Amen. Amen. Il est celui où je frappe. Mets ça au chevet de ton lit. Mets ça sur la boîte pour dormir. Tu n'es pas en pratique, c'est bien écrit. Sorcier des mains. Et puis ça va. C'est papier. Et puis c'est encre. La parole de Dieu. Bien sûr. Il dit, vous serez heureux pour vous qui vous les mettez en pratique. On a vu les marabouts, ils prennent Bible pour aller consulter, ils font tout ça. La pratique, la Dieu veut. Ah oui. Amen. C'est Amen. La pratique, la parole de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin. Il faudrait qu'on vous éclaire si c'est une chose. Nous avons grandi. Nous ne sommes pas des religieux. Il est là, le christianisme, c'est un comportement, c'est une religion. Arrêtez d'être religieux. Religion. Il y a quelque chose depuis. Moi, il n'est plus chez moi. Chez moi, c'est la parole de Dieu. Mon village, c'est la Bible. Mon pays, c'est la Bible. Or, quand on respecte la parole de Dieu, on est aussi obligé d'obéir aux autorités. Or, quand on a obéi à la parole de Dieu, on tourne dans la tradition. On dit ta femme est morte. Faut sauver son corps.
La Bible dit que ces pratiques sont condamnables. Il n'y a plus de rapport entre un mort et un vivant. Pour là, et tu as peur des hommes. Pour que les gens te rédigent et qu'ils soient avec toi. Et puis, parce que la Bible dit que si tu es avec toi, qui sera contre toi. Mais dis-le encore, la grande, on en capou, alors moi je peux courir. Amen. Ah, la Bible dit d'obéir aux parents. Non, selon ce que la Bible dit. L'obéissance aux parents, selon le Seigneur, selon Dieu. Quand ton papa dit, ta maman dit une tradition, tu consultes la Bible. Dans ton village. Tu compares. Ils ont dit, mais qui est le patron? Qui a créé ton papa? Qui a créé ta maman? Tu préfères obéir à ton papa, ta maman? C'est Dieu qui l'a dit. On dit, ah, ok, ça va ensemble. Et donc j'obéis. Selon Dieu. La bonne vie est bon. Et d'autres sont tombés dans ce genre de trucs. Les enfants. Et Satan les a eu. Les débris. Tout à l'heure, je vais donner un enseignement. Je chante un enseignement. Comment ça donner un enseignement? Amen. S'il est secret. Oui, amen. Pour avoir la victoire. C'est quoi, c'est à l'heure? Voilà, la victoire. C'est à l'heure. D'autres sont chrétiens. Les sorciers les attaquent. Les bouquins. Amen. Amen. Moi, j'assiste. Il y a toujours des attaques. Oui, chaque jour. Je suis là souvent, mais lance des pointes. Je sens que c'est là. Je dis pas aux gens parce que si je dis, ils vont avoir peur. Je parle et puis j'annère. Et puis le retour à la. Voilà. Dans sa nuque ici là. Et puis au bout de nuit. La tête là-bas. Ok. Cancer du cerveau. Voilà. Nous venons. Oui. Amen. Amen. Tout a forgé contre moi. Ça, vous n'avez pas ma côté. C'est un livre. Ça sorti, c'est une comédie. Vous avez dit, non. En fait, la vie sont venus parler derrière ma maison, crie mon nom. Je suis. Mais, je vais parler. Maintenant, ça frotte. Non, il y a gagné. Maintenant, vous fuyez. Non, vous. La mort d'avocat au nom de Jésus. C'est pas Jésus, c'est présenté. C'est pas Jésus, n'est pas présenté. Jésus, on dit, il est mon nom. Amen. Oui. Notre ministère sert à démystifier la société. Amen. Amen. Sinon, tu peux donner une révélation. Son papa est né là, sa maman est né là. Et tout, on va quand même. Mais il y a un vrai sorcier. Mais il faut qu'on dise ça. Mais les dieux. Si on est là, un homme est bon. Et tout, on est bon. Un homme est bon. Et d'accord, on est bon. Il y a un vrai sorcier. Mais comment tu s'appelles les dieux? C'est pas tout le monde grâce au terrain. Nous on se réveille dans ça, on dort dans ça, on est avec eux, on se regarde. C'est pas n'importe qui à ça. Mais pourquoi comment nous venons? Sinon, révélation, les marabouts, ça. Marabouts, on dit des choses graves. On dit des choses graves. Mon papa envoie les marabouts chez nous, nous disons des choses. Et tu moi, il va là, c'est pas ça. Mais il ne délit pas. Non, il y a des gens qui vous donnent des révélations, mais ils ne délit pas. C'est de délivrer. La signification de délivrer, c'est-à-dire, tu es fait sortir de la situation. Pas la parole. Tu dis comme j'ai parlé de délivrer, non. Et bon, mais il y a des signes. Ça veut dire que à la source. Mais il a pris les bénis et les pas pour délivrer. C'est comme ça. J'étais ici à Zarok. Quand il partait prier pour de l'eau ici. Et nous, on a fait mieux. Il a été frappé d'aveuglement trois fois ici. Quand j'ai tombé, j'ai